Bonjour tout le monde, il est 10h30, nous sommes mercredi, c'est notre rendez-vous hebdomadaire pour encore une nouvelle vidéo et un petit tuto. Alors, on va attendre que les copines arrivent. Je fais les gros bisous à toutes celles qui ne peuvent pas me voir en direct mais qui regardent en live. Bisous Marie, j'étais super contente que tu passes samedi, ça m'a fait plaisir avec Gaëlle et ta maman. C'était trop bien. J'apprécie. Bonjour Caroline, j'ai bien eu ton petit mail pour ta commande et je t'ai répondu. Bisous tout le monde. Oh, même la Belgique, bonjour Christine. On va attendre que tout le monde arrive. J'espère que vous avez la patate. Moi, je suis en pleine forme, motivée à bloc, avec ce super catalogue. Vous avez pu le voir, j'espère. Hein. Il est génial. Je sais toujours pas, j'hésite encore à ce que je vais prendre. Il est tellement inspirant. Voilà. Oh, il y a belle-maman qui me regarde aussi. Bisous, belle-maman. Bisous, tout le monde. Bon, ben voilà. Donc aujourd'hui, en fait, le petit sujet du jour, ça sera les recharges d'encre liquide. Puisque vous avez été quelques-unes à me demander à quoi ça sert, il y a Nathalie. Oula, par contre, ouais. Nathalie me demandait comment recharger les feutres et les encres. Et puis samedi, lors de la porte ouverte, j'ai fait une petite démonstration et donc j'avais envie de vous faire profiter parce que je sais qu'il y en a qui étaient frustrés de ne pas pouvoir venir à cause de la distance. Mais voilà, c'est chose faite, je vais vous montrer. Comme d'habitude, toujours dans le souci de partager un maximum avec vous. Ça me fait toujours très plaisir. Alors, bon, en Normandie, il pleut. C'est pas le super temps. Mais bon, c'est comme ça. Au moins, il n'y aura pas de contre-jour sur ma vidéo. Cécile, t'es malade? Oh, bah zut. Je prends soin de toi, Cécile. Alors, bon. En fait, samedi, lors de ma porte ouverte, j'ai montré aux filles ça et ça. Et elles ont beaucoup aimé. Du coup, aujourd'hui, bisous Sandra. Prends soin de toi aussi, Sandra. Je sais que t'es coincée du dos. Au moins, tu vois, ça a cet avantage-là. Comme ça, tu vas pouvoir partager un petit moment. Laurence, t'es pas à l'école? Ou il y en a qui me regardent pendant la récréation. Bon, alors... À La Réunion, il pleut beaucoup. Dans le sud-ouest aussi. Bon, alors, en fait, il pleut partout. Donc, c'est pas grave. Il pleut, on n'aura pas à tondre, on n'aura pas à désherber. Et comme ça, on va pouvoir scraper. Voilà, il faut toujours positiver. Hein. Qu'est-ce que, du coup, comment je vais commencer? Alors, vous avez vu dans ma petite photo de présentation pour ma vidéo, je vous ai montré ça. Voilà. C'est ce que j'avais fait. Et puis, je ne vous ai pas montré, mais quand même, le projet, c'est ça. Alors, j'ai pris sur moi, parce que pour celles qui me connaissent bien, je ne suis pas très patouille. Je n'aime pas avoir les mains sales et regarder. Bah. Alors, pour cette vidéo, j'ai prévu mes petits gants. Oui, des gants bleus, parce que j'adore le bleu. En Alsace, il fait beau. Bon, alors, il faut aller dans le sud-est, alors, parce qu'en Belgique, en Alsace, il fait beau. Alors, première chose, on va commencer dans l'ordre. Bah dans l'ordre. Je ne sais pas s'il y a un ordre, mais en tout cas l'ordre que j'ai dans ma tête. D'accord? Comme d'habitude, je vous change de support pour que vous puissiez voir mes mains et arrêter de voir ma tronche. Parce que je pense que vous n'êtes pas là pour ça. Quoique, hein, je ne sais pas. Et donc, je vous change de support. A tout de suite. Attention, j'évite de faire des bêtises. J'évite que vous ayez trop... le mal de mer. Super. Voilà. Excusez-moi. Ah, pardon. Ça a plus bougé aujourd'hui. Voilà. On va faire comme ça. Je déplace le petit pied. Bonjour Geneviève. Merci d'être passée samedi, Geneviève, avec ta fille et la copine. Alors, première chose. Ça c'est Nathalie qui m'avait demandé comment on fait pour recharger les feutres.
voyez, les feutres sont rechargeables avec les petites fioles. Alors, par exemple, si on prend le jaune, tout simplement, vous prenez une pince et vous bloquez l'encre, la pince comme ça, vous retirez la mine et vous allez venir mettre. Alors attention, parce que du coup, je suis pas gauchère de l'encre. Voilà. Et ça va. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Ça va absorber ce qu'on appelle par capillarité. Me demandez pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est que ça va, comme une éponge, ça va absorber. Et après, on remet. Ok? Voilà. On peut faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on recharge. Comme ça. D'accord? Je vous rappelle que quand on a des feutres à double pointe, on les range toujours couchés. Ah, je vous fais bouger, pardon. Voilà, première chose. Pour recharger les feutres, on est bon. Donc, les recharges, ça sert dans un premier temps à recharger les feutres. Après, on peut imaginer. Alors, c'est vrai que du coup, j'avais pas d'encreur qui était sec, donc c'est moins facile pour vous montrer, mais. Voilà, quand vous avez les encreurs, pour recharger les encreurs, tout simplement, vous allez venir mettre quelques gouttes sur votre tapis encreur. Voilà. Et pour que ça soit étalé, j'ai une petite astuce que je n'avais pas sortie, mais qui est à portée de main. C'est l'outil indispensable. C'est la petite cuillère. Alors, il y en a qui le font aussi avec le plioir, mais moi j'aime bien quand mon matériel il reste clean et du coup ça risquerait de tacher. Donc avec une cuillère, en fait. On étale. Comme ceci. Voyez? Comme ça, c'est bien réparti partout. Ok? Voilà. Deux choses. Après, maintenant, chez Stampin' Up, ils ont sorti des nouveaux. Des petits, ce qu'on appelle des Stampin' Spots de mémoire qui sont vierges, donc qui sont tout blancs. Et donc on peut imaginer que si vous avez la recharge et que vous n'avez pas encore le gros encreur, vous pouvez très bien, alors, mettre des gouttes sur votre encreur. Ça m'embête de le faire parce que je n'ai pas envie de gâcher puisque moi je l'ai en grand. D'accord? Mais on pourrait imaginer, je ne l'ai pas encore fait et ça pourrait être sympa, c'est de faire déjà un dégradé à voir. Vous voyez par exemple faire plus foncé en haut et faire un petit dégradé à tester pour une prochaine fois. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec les encres liquides? On peut. Quand vous avez les petits Stampin' Spritz, je ne sais plus le nom exactement, vous mettez de l'eau dans votre petit truc et vous mettez quelques gouttes d'encre liquide. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est pas mettre beaucoup d'eau. Comme ça, vous pouvez changer au fur et à mesure. Et vous mettez quelques gouttes dedans. Après, plus vous mettez de gouttes, plus ça sera foncé. Voilà. Qu'est-ce que je... On remet et puis il faudra mélanger. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon, ça je vous en ai parlé. Qu'est-ce que je ne vous ai pas parlé? Eh bien, je pense que là on va pouvoir faire le projet. Alors, pour faire le projet, tout simplement, j'ai pris une feuille murmure blanc. Non, pas comme ça. Pardon, excusez-moi, on va faire dans l'ordre. J'ai pris un grand bloc acrylique. D'accord? Le plus grand, donc c'est la taille F. J'espère que je ne vais pas trop vite et que tout le monde suit. J'ai pris un bloc acrylique. Après, j'ai pris une lingette bébé que j'ai étalée sur mon bloc acrylique. Vous voyez? Et avec mes encres liquides. Alors ça, c'était une classe, c'est ma marraine Sonia. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou si elle me regarde, qui me l'avait appris et j'aime vraiment beaucoup. Ça salit un peu les mains. D'ailleurs, c'est peut-être à ce moment-là que je vais mettre. Oh, allez, non. Allez, je mets pas les gants. Allez, je prends sur moi. De toute façon, je suis déjà. Voilà.
Donc, je mets des gouttes d'encre de manière, on va dire, aléatoire, un petit peu partout sur ma lingette. Donc là, j'ai commencé par le bleu. Donc là, c'est l'encre Pointe Pacifique. Après, j'ai pris le jaune Narcisse Délice que je vais intercaler entre les bleus. Alors, n'ayez pas peur, les petites recharges, ils sont au prix de 4,50 € et franchement, ça dure super longtemps. C'est vraiment très économique. Moi, j'aime bien. Je vais venir aussi mettre mon rose intercalé entre mes petites ronds blancs, bleus, tout ça. Tiens, une là. Voilà, j'espère que pour le moment, tout le monde suit. Et je vais venir prendre, en fait, mon bloc acrylique avec ma lingette et mes encres liquides remplace mes encreurs. Ça veut dire que je vais tamponner avec comme ça, d'accord? Et je vais placer sur ma feuille. Alors, je décale un petit peu. Je prends une feuille murmure blanc. Attendez, non. Ah, ça y est, faut que je la coupe. Ça sera mieux. Donc, je vais faire 14. J'ai fait 14 cm sur 9,7, mais après, on s'en fiche un petit peu hein, de la taille. Ça sera pour ma base. Et du coup, on va commencer par la fleur pour pouvoir faire la fleur en bas. D'accord? Donc, est-ce que vous voyez bien? Ouais, super. Après, je viens prendre, du coup, j'ai pris ce set de tampons-là, pensée florale. Alors, pour cette technique-là, il faut que le tampon soit, on va dire, assez... Ah, je cherche mes mots. Assez grand et qu'il y ait de la surface de tamponnage. Sinon, ça fait moins joli. D'accord? Donc, je vais venir chercher mon encre comme ça. Donc, j'appuie bien. Vous voyez, ça me fait mon dégradé. Et après, je vais venir le mettre sur mon papier. Donc là, j'ai décidé de le faire en bas. J'appuie bien aussi. Et regardez. C'est chouette, hein? En plus, l'avantage, c'est que chaque carte sera unique. Ça sera jamais la même couleur. Puisque selon où je vais me mettre, puisqu'il y a des dégradés, ça sera jamais pareil. D'accord? Donc là, j'ai fait ma fleur. Maintenant, je vais faire mon texte. Alors le texte, par exemple, je vais le mettre plutôt comme ça. Comme ça, j'aurai pas le même dégradé. Et puis on peut même retamponner deux fois, peu importe. Je vais le mettre ici. Voilà. Et regardez, vous avez vu comme j'ai tamponné deux fois, ça a créé des mélanges et j'ai même réussi à avoir du vert et du violet. Alors cette technique, elle est vraiment bien quand vous avez plein de fard-part à faire. Ou des trucs en chaîne, comme nous, les démonstratrices, on fait souvent des swaps qu'on s'échange en 50 voire 70 exemplaires. C'est une bonne technique. Après, il ne faut pas vouloir avoir la même carte, tous les mêmes cartes, c'est impossible. Voilà. Sur une autre chute, sur une chute de papier blanc, j'ai fait la même chose, mais cette fois-ci, et là j'avais voulu aller trop vite, avec mon papillon. Donc pareil, je prends mon encre. Je vais venir le tamponner sur ma feuille. J'appuie bien fort. Voilà. Et maintenant, je vais. Alors, comme c'est un peu humide, ça ne sèche pas tout de suite, tout de suite. Donc, vous avez le temps. Vous pouvez en faire beaucoup. Et en plus, vous avez le temps de faire autre chose. Hein. Donc là, je vais prendre le temps, comme d'habitude, de détourer mon papillon. Parce que Stampin' Up! N'a pas fait d'eyes, mais c'est pas grave. Avec un bon ciseau et une bonne technique, ça va vite. Donc je vous rappelle pour cette technique du détourage, c'est le papier qui tourne, mais le ciseau il ne bouge pas. Et l'avantage du ciseau Stampin' Up, c'est que comme il coupe jusqu'au bout, c'est vraiment génial. Tout, tout, tout. Surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo pour que les copines puissent en profiter, hein. Vous savez, comme
J'aime le partage. Puis je connais pas encore tout le monde, même si vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreuses à me suivre. Et d'ailleurs, je vous adore. Vous êtes des amours. Toujours des petits messages gentils. C'est vraiment encourageant, valorisant. C'est ça que j'adore dans le scrap. Alors, et puis s'il y en a qui ont envie de rejoindre mon équipe, n'hésitez pas parce qu'en plus, je fais ma première rencontre de lignée le dimanche 24 juin. Et donc, si vous avez envie d'en profiter, la porte est encore grande ouverte. Il y a Émilie qui est venue samedi à ma porte ouverte qui a cédé à la tentation. Il y en a d'autres aussi, hein. Mais c'est Émilie, la petite dernière arrivée, qui a été super bien accueillie par les copines. C'est vraiment chouette. J'aime beaucoup. Voilà mon petit. Oh, j'aime pas là. Ah, attendez, je refais un petit coup là. J'espère que vous n'avez pas trop de questions parce que j'arrive pas à faire tout en même temps. Voilà. Donc le papillon. Et le papillon, vous avez vu, je l'ai un petit peu colorié. J'ai voulu faire une technique un peu aquarelle. Donc j'ai tout simplement, j'ai pris un bloc acrylique. Donc ça, c'est encore une autre technique avec les encres liquides. J'ai mis juste une goutte. Hein. J'ai mis un pchit d'eau. Alors j'essaie de ne pas en mettre partout. Voilà. Même plusieurs. Plusieurs. J'en ai mis plusieurs parce que je voulais que ça fasse vraiment très clair ma couleur jaune. J'ai pris mon aquapainter. Et du coup, vous voyez, ça fait. En technique d'aquarelle, on appelle ça un lavis. Pour celles qui connaissent un peu. Ouh là, j'ai. Bon, pas grave. Aujourd'hui, j'ai dit patouille et non maîtrise. Lâcher prise. Ça ne m'arrive pas souvent. Donc profitez. Pour celles qui suivent aussi les actualités et sur ma page un peu perso, vous avez vu, j'ai mes collègues sur l'hôpital j'ai quatre collègues qui sont encore en train de faire la grève de la faim pour qu'on puisse avoir du personnel pour pouvoir accueillir décemment les patients. Vous êtes souvent, et moi la première, hein, on râle quand on arrive aux urgences et qu'on y reste des heures. Et bah, vous savez pourquoi on y reste des heures? Parce que, parce qu'il n'y a pas assez de personnel, tout simplement. Et qu'on n'a que deux bras et deux jambes. Et que même avec la meilleure volonté du monde et avec tout ce qu'on peut, et bah, on n'est pas des magiciens, quoi. Donc, en plus, donc ça c'est un service traditionnel, mais en psychiatrie, c'est encore pire. Mais enfin, c'est comme ça. Un bloc acrylique, Céline, en dessous, là, oui, c'est un bloc acrylique. Là aussi. Voilà, mais j'ai pas vu ta question. Sinon, tu m'envoies un petit message. Les filles, hein, des fois en live, c'est difficile de répondre directement à toutes vos questions parce que vous êtes de plus en plus nombreuses. Mais en tout cas, comment dire, je réponds à tous vos messages. Hein. À part forcément dans l'immédiateté, parce que vous savez, hein, j'ai aussi une vie. Et en plus, je me suis remise au sport. Voilà. Parce que le scrap c'est bien, mais c'est pas très. Ça dépense pas toutes les calories. Hein. C'est un petit peu l'inconvénient. Mais bon, c'est comme ça. Donc, comme ça, on a notre papillon. Vous avez vu, derrière, en fond, j'ai un effet moucheté. Alors, l'effet moucheté, c'est là où j'ai pris sur moi. Où là, je vais quand même un petit peu. Je vais aller. Je mets les gants parce que sinon, c'est la catastrophe. J'ai mis une paire de gants. Je vais. Oh! Voilà. Hop. Je prends les coins de ma lingette. Vous savez, ils sont propres. Normalement, ils sont propres. Et je vais, attention, de manière aléatoire et vraiment tout doucement, tamponner avec ma lingette pour faire un effet moucheté. Mais vraiment tout doucement, parce que si on appuie plus, forcément, ça fait moins joli. Vous voyez, si j'appuie plus, je prends une chute. Oh, quoique. Ah, oh, bah, c'est à vous de voir. Ça, c'est. Ouais. À vous de voir. Donc là, moi, j'ai plutôt choisi d'y aller délicatement. Voilà. On pourrait. Ah, si on fait ça, est-ce qu'on pourrait. Oui! Oh, je découvre. J'ose des trucs en live, mais vraiment du live. Hein, parce que là, je n'avais pas fait sur votre carte. C'est ancrer les bords. Ah, c'est chouette, ça va ressortir. Bon, je vous rappelle, les petites encres liquides, c'est pas très cher, c'est 4,50 € par couleur. Donc franchement, ça vaut pas le coup de s'en priver.
Ah, c'est chouette. Bon, attention. Et puis voilà. J'ai bien fait de mettre les gants, vous avez vu? Donc comme ça. Là, je vais enlever les gants. Je vais mettre ça de côté pour éviter de faire des catastrophes. Ah, je viens d'avoir une idée. Je le reprends. On pourrait imaginer donc enlever la lingette, la mettre à la poubelle. Et puis, par exemple, remettre du pchit sur mon bloc et pouvoir faire des petits effets aquarelles. Comment? Alors, je me lance ou je prends un petit. J'ai que deux mains. Genre, je vais reposer. Ah, ça pourrait être pas mal pour se faire comme une palette de peinture. À voir. À réfléchir pour une autre fois. Et puis, si vous avez. Si vous aimez ce principe, vous me montrez ce que vous avez fait avec. J'aime bien voir ce que vous faites suite à mes tutos, c'est vraiment agréable. Donc n'hésitez pas. Voilà. Après, une autre chose qu'on peut faire avec les encres. Alors attendez, je fais un peu de ménage parce que je m'y retrouve plus. Et je crois que je dois être une des seules scrapeuses où on n'est pas beaucoup. J'aime pas scraper dans le bazar. Et ouais, c'est mon côté obsessionnel, je crois. Mais bon, je me soigne, hein, mais j'aime pas le bazar. Donc, j'ai pris pour cette technique-là, en fait, on va utiliser la poudre à embosser, n'importe quoi, la pâte à structure qui est là. Donc, elle est vendue en pot comme ça. Donc, il faut bien la fermer parce qu'elle sèche très vite. Une fois fermée, c'est bon, hein. C'est juste que on va venir avec la petite truelle en prendre un petit peu. Oh, j'en ai pris un peu trop, mais bon, c'est pas grave. Et je vais venir. Voilà, elle est blanche comme ça. Et donc, je vais pouvoir venir la teinter. Donc, je vais venir mettre je vais mettre deux gouttes de rechat de encre liquide Narcisse Délice. Avec ma petite truelle, je mélange. Vous voyez, du coup, quand vous achetez une seule pâte à structure, vous pouvez faire toutes les couleurs Stampin' Up. Du coup, si vous avez encore ce coordonné de couleurs, qui est vraiment un avantage, je trouve, chez Stampin' Up. Essayez, c'est les adopter, les couleurs. En plus, là, ils ont sorti des super nouvelles couleurs, mais franchement, c'est dur, dur de résister. Après, donc, j'ai pris mon petit pochoir que j'ai mis sur ma carte. Je vais prendre ma pâte à structure que je vais venir. Alors, je vais en prendre un petit peu parce que sur mon premier prototype, j'en ai mis un peu trop. Et ça allait. Et du coup, je vais venir l'étaler comme ça. Voilà. De manière aléatoire, j'en ai mis un petit peu partout en fait. Alors c'est vrai que l'avantage de la pâte à structure Stampin' Up, c'est qu'elle sèche très vite. Donc il n'y a pas besoin d'attendre 3 heures entre deux trucs. Et c'est plutôt, moi c'est ce que j'aime bien. Surtout quand on fait en atelier. C'est vraiment génial. Voilà. Ah, génial. Le seul petit inconvénient, c'est que comme elle sèche vite, votre matériel, une fois que vous avez fini de l'utiliser, il faut aller aussitôt le tremper dans l'eau. Du coup, je m'absente 2 petites secondes, le temps d'aller à la cuisine, parce que j'ai pas prévu le tupperware pour mettre de l'eau. Je le vais faire tremper pour pas abîmer mon matériel. J'arrive. Vous restez là, hein? Voilà. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas qu'il y avait une coupure, mais je suis allée faire la vaisselle. Alors, oh, on est 98, super, mais je regarde pas, mais génial. Les autres encres, Laurence, je ne sais pas parce que moi, maintenant que j'ai découvert Stampin' Up, j'ai vraiment beaucoup de mal à aller vers d'autres marques parce que j'adore la marque, parce que c'est de qualité et du coup, j'ai toujours peur de comment dire, de me planter sur d'autres marques. Voilà. Et puis quand on aime, on a du mal à changer. Donc maintenant, alors, on va y aller doucement, hein, parce que ça sèche rapidement, mais pas non plus dans la seconde. On est d'accord. Je vais venir coller mon petit papillon. Donc pour coller mon papillon, vous avez vu avec mon plioir tout à l'heure,
J'ai arrondi, assoupli les ailes. Je vais mettre une petite mousse derrière. Voilà. Que je vais venir coller, on va dire, un petit peu en biais comme ça. Nickel. Je vais prendre. Alors, j'ai pris du papier pointe pacifique que je plie en deux. Oh, j'aurais pu le faire en massicot, mais bon. Voilà. Et je vais venir coller tout simplement ma carte comme ça. Un petit peu de colle. En plus, ça tombe bien, il y a plein d'anniversaires sur le mois de juin. J'ai des copines qui font leur anniversaire. D'ailleurs, je lance un message. Hein. Mon anniversaire, c'est sur le mois d'août. Hein. Donc, si vous avez envie de vous y préparer à l'avance, parce que je pense que je vais faire un petit concours. Voilà. Non, belle maman, j'ai pas mon apprenti, il est à l'école. Les profs sont tous là aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qui va manquer du coup sur ma carte, comme d'habitude? Qu'est-ce qui me manque? Des strass. Hein, maintenant, vous savez hein, que j'aime les strass, j'aime que ça brille. Je suis une vraie fille. Vous aussi, vous aimez les strass. Hein. Je vais venir prendre avec ma petite pince. Donc là, c'est pareil, je mets toujours de manière aléatoire. Alors, j'aime les strass, mais je n'en mets pas 40 000. Hein. J'en mets souvent 3. Parce que j'aime bien quand c'est un nombre impair. Voilà. Est-ce que je réfléchis, je vous demande 2 petites secondes si je vous ai tout montré. J'avais sorti des choses, ça m'a l'air d'être pas trop mal. J'espère que j'ai rien oublié. Et si j'en ai oublié des techniques, je compte sur vous pour partager avec moi et me les dire. Non, ça a l'air d'être bon. Je vais pouvoir vous rechanger de support. Alors, je rechange, m'excuse. Un petit coup de mal de mer. Un petit gros plan. Alors, c'est chouette, hein? Ouh là là, il y en a des cœurs! Génial! Bon, je suis super contente que ce projet vous ait encore plu. Et oui, il est déjà 11 h. Ça passe vite, hein, quand on est en bonne compagnie, hein. Alors, qui va céder à la tentation des encres liquides? Quelle date au mois d'août? Allez, 6 août. 6 août. Je vous donne pas l'âge, d'accord? Oui, allez, je vous le dirai, mais tout plus tard, hein. On va pas parler de sujets qui fâchent. Alors, ça vous plaît? Ah, moi, je me suis éclatée. Et je vous remercie aussi les filles de me donner des idées pour les vidéos, des suggestions. C'est sympa parce que moi, il y a des choses pour moi qui me paraissent maintenant logiques et que bah, pour moi et pour vous, c'est pas forcément logique. Est-ce que on a été raisonnable au niveau du temps? Si vous avez des questions, on prend un petit temps si vous voulez. Je vous laisse parce que je sais qu'on est un petit peu décalé. Alors, est-ce que vous avez des questions particulières? Dites-moi, je vous écoute. Bah, je vous lis surtout. Là, maintenant, je peux vous lire correctement. Il y en a qui arrivent un petit peu en cours de route. Patricia, je suis désolée, on arrive à la fin. On a fait ce petit projet-là avec les encres liquides. Je t'invite ainsi qu'aux copines de regarder en replay. Et comme d'habitude, vous retrouverez cette vidéo. Ou d'ailleurs, j'ai oublié de faire celle de la semaine dernière sur YouTube la semaine prochaine. Je mets toujours une petite semaine de décalage. C'est vrai que c'est compliqué de télécharger sur YouTube parce que si je fais ça dans la journée, mes enfants me. Comment dire? En restant polis. Ils sont pas contents parce que je prends toute la connexion. Ingrid, les lingettes, elles humides? Oui, c'est des lingettes bébé. Tu sais, pour lingettes pour les fesses, quoi. Manette, c'est des encres à eau. Voilà. Puisque du coup, elles peuvent recharger nos encreurs qui sont des encreurs à eau pour faire de l'aquarelle, par exemple. Bon, alors,
Des questions d'autres? Il y a certaines copines qui commencent à nous abandonner. Bah oui, il n'y a plus rien à voir. Je prends juste 5 minutes pour répondre aux questions. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, bon, je suis une pipelette, vous le savez, mais non, là, ça ne vient pas tout de suite. Alors, il y a des copines qui m'envoient des messages sur Messenger, mais je ne peux pas y répondre tout de suite, sinon ça coupe la vidéo. Alors, plus de questions? Je vous dis au revoir. De toute façon, s'il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et j'essaye de répondre au plus vite, quand je peux. Ah, t'arrives à la fin, désolée. Alors, les filles, j'essaie d'être, assidue. C'est tous les mercredis à 10h30. Voilà. Céline, est-ce qu'il y aura une promo en juin? Pas à ce que je sache. Au jour où je te parle, pour le moment, il n'y a pas de promotion sur juin d'annoncer. Voilà. Vous vous rappelez, hein, si... Oui, Rine C, si je dis bien ton pseudo. Oui, c'est des encres à eau. Si vous avez envie de commander, vous n'hésitez pas et vous savez que pour toute commande de 60 euros, je vous offre le catalogue à l'intérieur de votre commande. Hein. Bon, ben voilà, apparemment tout le monde va bien, tout le monde ça a plu, il n'y a pas de questions autres. Je vais vous faire plein de gros bisous, c'est le moment de se quitter. C'est toujours difficile, hein, ce petit moment, mais voilà, c'est comme ça. La vie, il faut savoir dire au revoir pour redire bonjour. J'ai fait une commande d'encreur blanc pour des copines et elles ont eu des problèmes de coulure dans leurs affaires. Ah bon? Alors, c'est vrai que quand tu commandes l'encre... Alors, moi, ça fait un petit moment, Claudette, que je l'ai. Moi, elle était déjà ancrée, mon encre. Maintenant, j'ai vu pour mes clientes, il faut mettre des gouttes. À mon avis, elles ont mis trop de gouttes. Elles l'ont trop rempli. Est-ce que ils ont pris l'astuce de la petite cuillère pour étaler, ou je crois qu'il y a une spatule. Quand c'est comme ça, pense à à contacter ta démonstratrice, et si toi-même tu es démon, parce que je n'arrive pas à connaître tout le monde, à appeler l'assistance aux démonstratrices, et ils sont vraiment top sur le service après-vente, hein. Donc n'hésitez pas. Ah, c'est gentil, Elodie. Ah, j'adore partager avec vous. C'est vraiment génial. Et puis, vous me le rendez bien. Alors, j'ai toujours envie d'en faire plus. D'ailleurs, je réfléchis à comment je vais pallier à mon absence pendant mes petites vacances. Il faut que je réfléchisse. Si je peux pas programmer un truc ou voilà. Mais bon, on a le temps. Je vous fais des gros bisous. Allez, on se dit au revoir. Ciao, bye bye. À mercredi prochain. Si vous avez des idées, des suggestions de thèmes, n'hésitez pas. Gros bisous, mais il pleut par chez toi. Eh oui, il pleut. Mais il pleut beaucoup. Vous devez entendre peut-être. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Allez, gros bisous. Ciao, ciao.